Yo les petits potes, c'est JGaming, du coup on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la découverte de la saison 5. Du coup les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo à tous vos potes. N'oubliez pas, bien sûr, le petit code créateur JGaming dans la boutique si vous achetez le pass de combat, on y viendra juste après. Dites-moi dans les commentaires, très important les gars, j'ai envie que vous réagissiez à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du coup de la nouvelle saison 5. Donc vous marquez dans les commentaires, elle est bien, elle est nulle, elle est bof, etc, etc. Voilà, vous marquez ce que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai à tout, pas tout ce que vous voulez, mais voilà, en par rapport à la saison 5 de Fortnite, j'y répondrai à tout le monde. Du coup les gars, pour le pass de combat, on va y aller brièvement pour pas que ça dure trop longtemps. Du coup, vous avez le skin Mandalorian par rapport à la série Star Wars. Voilà, vous avez des V-Bucks. Vous avez le planeur, du coup on va montrer vachement tous les trucs plus importants, les planeurs, les skins, etc. Vous avez le petit revêtement qui est là, le petit sac à dos, le petit skin Riz, du coup, voilà, avec des défis, etc, bien sûr. Vous avez la petite musique. Voilà, Ghetto Blaster. Vous avez le planeur Aérolam de chasse. Voilà, vous avez du coup Riz en nébuleuse, voilà. Vous avez le petit revêtement Gang de la Crêpe. Vous avez la pioche Jossi. Vous avez le skin Gatom, voilà, en forme de crêpe. Avec du beurre ou du sirop d'érable, je sais pas. Après, hop, vous avez la danse couche de sirop d'érable. Donc voilà, je pense que c'est que avec ce skin, du coup, la danse. Voilà. Vous avez le petit sac à dos butin de petit-déj. Vous avez Gantoum, le gâteau sans nom, voilà, avec un petit chapeau, etc. Vous avez les dagues bestiales. Vous avez ce skin Maeve. Vous avez son planeur qui est insane. Voilà, franchement, insane. Du coup, vous avez sa pioche griffe de Harpy. Vous avez Maeve aux cheveux réactifs. Voilà, ses cheveux réagissent. Vous avez Maeve imbattable. Vous avez Lance Squall. Vous avez Maeve à queue réactive. Voilà. Vous avez Maeve destructive. Vous avez émation spirituelle. Vœux pourpre, le planeur. Voilà. Vous avez le skin Condor. Avec son sac à dos. Ses pioches. Sa danse qui est incroyable, vœux de vengeance. Voilà. Vous avez après le skin hyper planche. Vous avez la planche, le planeur hyper planche. Le skin Lexa. Voilà. Un peu animé. Franchement, pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Zéro griffe. Interface de mecha fusion. Vous avez après protocole de chasse. Voilà. Vous avez le bouclier de l'indomptable, vous avez le skin menace, vous avez le menace masqué, vous avez menace pugnace, menace casque léger, vous avez menace invaincu, vous avez la danse rituelle du guerrier, la battable sera sale, voilà, vous avez menace avec casque lourd, et après vous avez du coup l'enfant bébé Yoda de la série Star Wars, et le skin Mandalorian avec tous ses vêtements, voilà, à accomplir avec des défis. Du coup, moi je vais vous montrer du coup en labo de combat toutes les nouveautés, ce sera plus simple. Du coup en nouveauté, qu'est-ce qu'on a? On a un grand changement de la map. On a un truc, on va parler directement parce que ça va être long à expliquer, mais on va en parler directement. Vous avez des lingots à côté de vos constructions. Tout le monde, j'ai entendu parler des gens qui ne savaient pas ce que c'était les lingots. Alors les lingots, vous avez des personnes sur la map par exemple. Alors la boîte de combat les a pas, mais par exemple je sais que par exemple à Hunter Haven, il y a du coup le skin qui va avec cette ville. Et du coup vous avez un skin. Et vous avez des contrats, par exemple éliminer un joueur, ça va vous remporter 30 lingots. Qu'est-ce que vous faites avec ces lingots? Il y a plusieurs personnes sur la map. Et par exemple il y en a un où vous pouvez améliorer vos armes. D'autres, il y en a, ils vous donnent de la salade, des maïs, etc. D'autres, ils vous donnent des armes. Vous pouvez les combattre aussi en duel. Voilà, vous pouvez les combattre, les ennemis, en duel. Comme ça, vous avez des AK violettes. Je sais qu'il y en a qui ont des AK violettes, des PM. Comment ça s'appelle? Des PM, des P90. Donc franchement, c'est assez pas mal. C'est assez pas mal, donc voilà. Donc il faut accomplir des quêtes pour justement avoir des lingots pour pouvoir améliorer vos armes. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous du coup ici là, à ce vaisseau là, vous avez un skin mythique, le Mandalorian. Ce Mandalorian vous apporte justement un sniper et un jetpack. Donc le sniper, c'est un sniper on va dire un peu carabine à vision thermique. Voilà, plus précisément.
On va dire que c'est un sniper à vision thermique directement. Donc franchement c'est assez pas mal, je l'ai testé. Vous verrez d'ailleurs dans la vidéo qui sort à 6h30 demain. Voilà, vous verrez un peu du coup la vidéo. Du coup là vous avez le nouvel endroit qui s'appelle l'arène. Le Colossal Colosseum. Du coup vous avez des constructions déjà prêtes. Des fois vous pouvez avoir un bateau. Là vous avez un lama, le lama que tout le monde se rappelle de... je sais plus comment ça peut être, dites-moi la vie dans le commentaire. Et justement le crabe, voilà, directement. Je vais vous montrer aussi là ici. Du coup il y a Tomatoton qui est apparu. Voilà, ici il y a Tomatoton qui est apparu. Je vais pas trop vous montrer en vidéo, mais ici il y a le Burger Shop qui est apparu. Le burger qui était justement à Greasy Groove. Justement ici vous avez le bateau viking qui est apparu. En haut de la map à Salty Strongland, c'est un peu une map, on va dire forêt, un peu monde dinosaures, etc. Jurassic Park. Et là ici on a une ville emblématique qui s'appelle justement Flush Factory avec les toilettes, etc. La vraie Flush Factory raccourcie, mais le vrai Flush Factory. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir qu'ils aient remis cette ville dans Fortnite. Du coup je vais vous montrer petites nouveautés. Donc on va spawn à Misty Meadow. On va atterrir directement dans le Nexus. Comme ça je vous montre qu'est-ce que ça fait quand on atterrit dans le Nexus. Après je vais vous montrer directement, il y a deux nouveautés au sol qu'on peut faire bien sûr. Et après je vais vous montrer la ville emblématique du coup qu'ils ont fusionné Fortnite. Et qui a fusionné Fortnite. En fait, la saison a fait apparaître des nouvelles villes, des endroits qui rappellent la chapitre 1. Donc, Tomatoton, Greasy Groove. On a ici un dépôt de six dépôts. Voilà, qui rappelle justement le truc. Et justement, là, vous avez la ville Salty Tower. Donc, c'est un mélange entre Salty Springs et Tilted Tower. Donc, voilà, comme ça, ça rappelle des mélanges un peu de la saison. Franchement moi j'adore, ça rappelle des changements, des chapitres 1, etc. Donc là on va rentrer dans le Nexus, regardez ce que ça fait. Voilà. Donc si vous voulez spawn plus vite, hop vous prenez le Nexus, hop vous atterrissez directement par terre. Hop et vous prenez des petites armes. Voilà, directement vous prenez les armes. Voilà. Du coup voilà, vous avez du coup l'AK, vous savez l'AK que Kit il avait mais en or, etc. Du coup vous avez ces nouveautés. Du coup la pierre, donc vous faites double saut. Voilà, double saut et vous vous téléportez un tout petit peu. Franchement c'est... Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi franchement c'est permet vite fait un moyen de retard. Vite fait, mais voilà la pierre dure pas longtemps. La pierre ne dure pas du tout longtemps. Et voilà franchement c'est un petit moyen de retard. Assez pas mal. Donc je vais faire un peu de construit. J'ai monté là. Voilà, donc là, du coup, ça s'appelle la ville, du coup, la nouvelle ville, Salty Tower. Donc voilà, donc les nouveautés, du coup, vous avez toujours cette maison-là, la maison bleue de Salty, la maison grise de Salty, la station essence, cette maison-là. La seule maison qui a disparu, c'est la maison qui était juste là. Il y avait sa seule maison qui a disparu, mais qui a été remplacée, du coup, par le bâtiment carré emblématique de Tilted. Vous avez ce bâtiment-là aussi de Tilted, avec justement celui-là. Vous avez le bâtiment que tout le monde appelait le bâtiment poisson. Vous avez le Tacos, là où il y avait le L, on va dire, je crois que c'était vers le L qu'il y avait ce bâtiment, ouais. Là-bas, vous avez le bâtiment, là où il y avait où il y a le magasin, etc., qu'ils ont remis. Là où on avait après le grand parking, etc. Et du coup, là, vous avez bien sûr la tour avec les trois, avec les deux coffres. Si, bien sûr, avec le 50% de chest, vous avez de la chance, vous avez les deux coffres. Voilà le Big Ben, donc c'est vraiment un mélange de Salty et de Tilted Tower. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Et franchement, voilà, aussi les nouveautés du coup qu'on a, du coup, ben, c'est les personnages. Les poissons, on a deux nouveaux poissons. Donc ce poisson-là qui est le point zéro tick. Donc le point zéro, je vous ai montré, c'est comme si on mangeait les pierres qu'on avait pour se téléporter. Et on a un poisson faille, donc on peut stocker par 3, je crois, les poissons faille. Donc ce qui est assez pas mal pour du coup les retards en fin de zone, etc., dans les compétitions ou les tournois. Après voilà, du coup je vais vous montrer maintenant la dernière chose, on va dire de nouveautés directement. Je vais vous montrer donc la nouveauté, c'est justement, vous avez vu avec mon skin,
Je dis, mais what, il a eu comment son skin? C'est le club de Fortnite. Donc, c'est les avantages membres. Vous payez 12 € par mois, si vous voulez. Vous pouvez payer que 1 mois, 2 mois, etc. Vous pouvez annuler après l'annulation, etc. Et vous, du coup, vous avez le pass de combat, le pack du club inscrit du coup du 1er décembre. Du coup, là, c'est ce skin-là avec la pioche et le sac à dos. Plus 6000 V-Bucks pour 12 €. Alors que juste si vous achetez le pass de combat, ça vous coûte 8 € ou 950 V-Bucks, donc à peu près 10 €. Donc quand vous y réfléchissez, ce skin coûte 12 €. Vous avez le pass de combat qui coûte 8 €, 1000 V-Bucks qui coûte 8 €, plus un skin qui coûte à peu près, on va dire, 5 €. Donc en tout, quand vous calculez 8 et 8, 16 plus 5, 21. On revient à 21 € alors que le pack vaut 12 €. Donc franchement, ça vaut le coup de prendre directement le club de Fortnite. Donc voilà, donc essayez de voir avec vos parents si vous pouvez le prendre. Et bien sûr, si vous le prenez, n'oubliez pas le code créateur Jgaming dans la boutique. Sur ce, moi les gars, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. N'hésitez pas à justement me dire qu'est-ce que vous pensez de la saison dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas, 6h30, demain, nouvelle vidéo, top 1, etc. Je vous en dis pas plus. Activez bien la cloche de notification. Ciao ciao.